Élaborer un plan d'action national de sécurité sanitaire 2020-2024 en République du Congo, tel est l'objectif de cet atelier ouvert ce 27 mai 2019 dans la capitale. Ceci pour permettre au pays de faire face aux maladies épidémiques et pandémiques qui menacent dangereusement la santé des populations. Selon la FAO, la collaboration et la contribution de cet organe onusienne s'inscrit dans le cadre de programmation pays 2019-2022. Les crises sécuritaires et sanitaires au niveau de la sous-région, ajoutées au flux important d'importation de denrées alimentaires, contribuent à accroître la vulnérabilité du Congo. Les événements de santé tels que celui du chikungunya en cours, sans oublier les épidémies de la maladie à virus Ebola 2002, 2003, 2005, de la variole du singe 2003, 2009, 2017 et en cours, la rage de 2013-2014 ont un coût économique et social indéniable. Le plan d'action national pour la sécurité sanitaire est une programmation pluriannuelle pour accélérer la mise en œuvre des capacités essentielles du règlement sanitaire international RSI. Dans ce cadre, l'OMS demeure un partenaire sûr dans la mise en place de ce plan de défense sanitaire. Le pays doit identifier ses priorités en matière de sécurité sanitaire, rassembler les secteurs, identifier les partenaires et allouer des ressources au développement des capacités de sécurité sanitaire. Depuis 2016, l'OMS collabore étroitement avec de nombreux pays et ses partenaires pour appuyer l'élaboration des PANSSS en fournissant les orientations techniques nécessaires à son élaboration et sa mise en œuvre. Dans son allocution, le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la Population stipule que les enjeux des travaux de cet atelier sont d'une importance capitale pour l'intérêt de la République du Congo. Le Congo, notre pays, a un engagement considérable pour le renforcement de la sécurité sanitaire et la lutte contre les épidémies et autres urgences de santé publique. Nous devons, dans ce cas, mettre l'accent sur l'élaboration et l'adaptation des documents législatifs et réglementaires pour une meilleure application du règlement sanitaire international 2005 selon l'approche « une seule santé » ainsi que la mise en place d'un mécanisme fonctionnel de coordination et de partage d'informations avec l'implication effective des secteurs de l'environnement, des mines et énergie, de la santé animale, des eaux et forêts et de l'agriculture dans la préparation et le contrôle des événements majeurs de santé publique. Signalons que cet atelier d'élaboration du plan d'action national de sécurité sanitaire du Congo est la suite logique de la mission d'évaluation conjointe externe du RSI 2005 qui a permis de mesurer la situation du pays sur 19 domaines techniques contenant 49 indicateurs ainsi que les meilleures pratiques et les défis majeurs de chaque domaine. C'est par des cris de joie, expression des cœurs débordés d'allégresse que Bonaventure Moudika a été accueilli ce 26 mai 2019 par les populations des quartiers 105 Ngangouni et 106 Diata, composant sa circonscription électorale. Une descente parlementaire du député de Makele Kele III, dont l'objectif était de faire la restitution du travail parlementaire effectué pendant les 5 sessions ordinaires et 2 extraordinaires, assorti des séances de questions orales au gouvernement avec débat. Des sessions aux résultats fructueux et Bonaventure Boudika a épinglé les sujets qui ont un impact direct avec la vie de ses mandants, notamment des questions économiques et sociales. La loi de finances et le budget exercice 2019 que nous avons voté sous le signe de la lutte contre les antivaleurs, notamment l'incivisme fiscal et douanier, en vue de la maximisation des recettes, la rationalisation des dépenses publiques et la promotion de la bonne gouvernance, a institué cette année les dispositions spécifiques relatives à la dématérialisation obligatoire de la monnaie pour le paiement des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'abonnement et réabonnement aux chaînes télévisuelles, d'internet fixe et mobile par les moyens électroniques.
Nous avons aussi inscrit, à compter de cette année, on n'en parle pas assez, des droits fonciers exceptionnels, des frais des travaux cadastraux, de l'impôt foncier annuel sur nos propriétés ou nos parcelles et des droits forfaitaires d'immatriculation. Invitons les populations de sa circonscription électorale de ne pas se fier aux réseaux sociaux qui leur donnent souvent de mauvaises informations. Le député du CDR a pris son temps pour écouter les déléances de ses mandants qui se résument entre autres par des questions liées au chômage des jeunes, à l'insécurité, au délestage d'électricité et pénurie d'eau, mais aussi par la question relative à la nouvelle loi de finances instituant notamment l'impôt parcellaire. Des questions auxquelles l'élu de Makeleke le 3 a donné des réponses qui ont apaisé les cœurs des populations, à l'instar de cette dame. Parce qu'on entendait seulement les gens parler par-ci, par-là, on ne comprenait pas tellement qu'est-ce que ça signifie. Il nous a expliqué, donc maintenant je suis bien informé sur ça. Faisant d'une pierre deux coups, Bonaventure Boudika a profité de sa descente parlementaire pour visiter les quelques artères principales de sa circonscription électorale, aujourd'hui dans un état de délabrement. Accompagné du député de Wando Abel Ouassa, du conseiller Aristide Matoko et du coordonnateur de la COPAR Chris Walembo, l'élu de Makeleke le 3 est passé par les avenues de l'Abattoir et Émile Biayenda, rond-point Château d'eau pour chuter ici à l'avenue Tonton Oil. Un constat amer selon les dires du député qui annonce d'ores et déjà des solutions palliatives. Avec le conseiller départemental et municipal de Brazzaville, accompagné des collègues députés, nous sommes venus voir, toucher du doigt la réalité. Et je crois que dans les jours qui vont venir, les décisions vont tomber pour réparer justement comme la population l'exige. Cette descente parlementaire de Bonaventure Boudika est la première depuis le début de la 14e législature il y a 2 ans. Ceci à cause de la crise financière qui frappe le Congo et le Parlement national. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cette parole, inscrite dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 12, est bien intériorisée par Bonaventure Boudika, qui a rencontré les femmes de Makeleke les 3 ce 26 mai 2019, jour de la fête des mères. Un digne fils de notre contrée, député de son état, j'ai cité l'honorable Bonaventure Boudika de la 3e circonscription électorale de Makelekele, notre représentant à l'hémicycle, notre élu, s'est souvenu, très chère maman, de votre place dans la société. Entre Bonaventure Boudika et les femmes de sa circonscription électorale, les liens d'un fils à ses mères sont enracinés depuis bien des décennies. C'est pourquoi, en ces pareils moments affectifs, le député du CDR focalise ses attentions sur celles qui lui ont tout fait et tout donné. Chère maman, nous avons choisi de vous dédier cette première descente parlementaire pour marquer notre attachement et notre considération inestimable à votre égard. Vous m'avez mis au monde. J'ai grandi. Vous m'avez envoyé vous représenter à l'Assemblée nationale et j'ai choisi votre fête aujourd'hui pour venir vous dire merci. Au nom de tous les enfants du Congo, je vous dis merci. Merci maman de m'avoir porté dans ton ventre pendant plusieurs mois avec joie et amour. Merci de m'avoir encadré, éduqué, d'avoir supporté mes caprices. Bref, merci de m'avoir donné la vie. Pour couronner cette rencontre émotive, Bonaventure Boudika a fait un don de pagne et panier à ses femmes qui sont sorties toutes comblées. 9 mois, c'est pas 9 jours. Hein. En tout cas, je suis dans la joie. Parce que le député a pensé à nous. Pendant la fête des mères, quoi. Je suis vraiment satisfaite. Après les mères, Bonaventure Boudika compte faire la même action avec les pères et les jeunes de Makeleke les 3 aux dates qui leur sont consacrées. Le 28 mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Cette journée vise entre autres à sensibiliser l'opinion publique en général et les femmes en particulier sur les méthodes hygiéniques pendant la période menstruelle.
Ainsi, à l'occasion de la célébration de cette journée dans les rues de Brazzaville, les langues se sont déliées sur ces méthodes. J'utilise normalement des bandes hygiéniques, des serviettes hygiéniques comme toutes les femmes le font, ce que je fais. Et puis de façon générale, je pense que moi, on m'a conseillé de ne pas utiliser une seule serviette hygiénique toute une journée. Femme, j'utilise les serviettes hygiéniques pour arrêter le saignement des règles, bien se laver, bien prendre soin de son corps. Comme toutes les femmes, je porte une garniture. Mais en fait, pour être vraiment propre, il faut la changer à tout moment. Donc ne pas attendre que la garniture soit pleine pour qu'on puisse la changer. Parce que à cette période, on est vraiment exposé à des microbes. Donc il faut la changer pratiquement quand il y a déjà une bonne quantité. Parce qu'il y a d'autres femmes qui attendent que ça puisse beaucoup couler pour changer. Là, c'est pas bon. Et à chaque fois, il faut changer de slip. Donc à chaque fois, quand vous avez une garniture, il faut vous laver 3 fois par jour, c'est mieux. Changer de slip et ne portez pas trop de jeans serrés. Le sujet est considéré pour beaucoup comme tabou, mais pour cette jeune maman, pendant ces heures creuses, une maman devrait expliquer à sa progéniture l'attitude à adopter pendant la période de menstruation. Lorsqu'un enfant est devenu d'un âge donné, tu fais appel à l'enfant, tu la fais asseoir, tu parles un peu des choses de la vie. Tu la demandes si elle voit déjà ses menstrues, si elle a ses menstrues. Si pas encore, tu essaies un peu de la parler, de la raisonner. Quand ça arrive, c'est pas un problème, il ne faut pas avoir peur. Tu t'approches de ta mère, de ta maman, tu la demandes, bon maman, là j'ai vu mes menstrues, bon maman va te parler. C'est pas quelque chose de mal, parce que c'est ce que Dieu a créé pour toute femme. Donc quand tu es encore un enfant, à l'âge donné, quand tu arrives à ce niveau-là, il faudrait que tu aies ces menstrues. Donc tu dois parler à l'enfant, tout simplement, tu la fais comprendre. Et au moment où l'enfant va bien saisir ce que la maman a dit à l'enfant, et après tu peux un peu parler aussi de la vie. Quand elle est menstruée, je lui demande d'utiliser les garnitures. Par manque d'informations, plusieurs jeunes filles t'attendent sur les méthodes hygiéniques pendant les menstrues. Marie-Fanny Lolo est sage-femme. Pendant cette période, tout le monde n'a pas l'argent pour payer tout ce que nous croyons. Un linge propre. Il y en a qui prennent de petites serviettes, qui les mettent lavables et renouvelables, réutilisables. Pas de papier hygiénique parce que ça ne va pas trop imbiber. Une couche blanche, ça dépendra de vous. Une petite serviette que vous allez bien nettoyer et repasser. Les jeunes filles qui saignent abondamment, de se présenter à l'hôpital pour qu'on remplace tous les sangs là qui sont. Parce que quand vous saignez abondamment, vous risquerez d'être fatigué. Selon l'UNICEF, en Afrique, 66% des femmes ne disposent pas de bonnes informations sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles. La Commission nationale consultative du travail a tenu ce mardi à Brazzaville une session pour statuer sur l'assurance maladie universelle. Conformément à l'objectif 3 du développement durable, cette session a porté sur l'appréciation des taux de cotisation au régime de l'assurance maladie universelle. En soumettant à votre examen l'avant-projet du décret fixant les taux de cotisation au régime de l'assurance maladie universelle, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Sécurité sociale, applique les dispositions légales régissant les rapports entre l'administration publique et les partenaires sociaux. Au-delà de cette exigence qui tient de la légalité républicaine, il s'agit pour le gouvernement d'observer, pour cet enjeu précis, une démarche inclusive, participative et prudente. De la sorte, devenue opérationnelle, l'assurance maladie universelle reposera sur des bases sûres, sur un socle solide. Après échange, les partenaires sociaux et le gouvernement ne se sont pas fixés sur les taux. Les deux parties envisagent donc une nouvelle rencontre très prochainement. Nous avons regardé d'abord la note de présentation et nous avons regardé le projet de décret. Et à ce niveau, nous n'avons pas encore conclu ce qui est vrai. Nous allons encore nous revoir dans les conditions recommandées par la Convention pour finaliser définitivement
les taux que nous devons arrêter avec le gouvernement. L'assurance maladie universelle vise donc à uniformiser, à renforcer et à étendre l'accès aux soins de santé à l'ensemble de la population résidant sur le territoire national. Au total, 16 affaires sont inscrites à l'ordre du jour de la 6e session ordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvrira le 3 juin prochain. C'est ce qui ressort de la conférence des présidents des commissions de l'Assemblée nationale qui s'est tenue ce lundi à Brazzaville. Au nombre de ces affaires, on peut citer entre autres la proposition de loi portant sur le statut de l'artiste, les projets de loi portant création des zones économiques spéciales de Brazzaville, de Yolombo et de Wesso. Il y a une proposition de loi qui avait été reportée, qui n'avait pas pu être traitée, une proposition de loi portant sur le statut de l'artiste de spectacle, des arts visuels. Il y a par la suite des projets de loi portant ratification de l'accord de Bangui Institution, une organisation africaine de la propriété intellectuelle, projet de loi portant code financier, projet de loi autorisant la ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine, projet de loi relatif à la cybersécurité, projet de loi portant lutte contre la cybercriminalité, projet de loi relatif aux transactions électroniques, projet de loi portant création de l'Agence centrale de sécurité des systèmes d'information, projet de loi portant protection des données à caractère personnel. Dans son speech à l'ouverture de cette conférence, le président de la Chambre basse du Parlement, Isdon Vouba, est revenu sur un fait, le respect de la préséance. Enfin, la préséance des députés lors des cérémonies officielles. En effet, lors des cérémonies du 15 août 2018 et du 28 novembre 2017 et 2018, les députés ont été appelés après les conseillers de la présidence de la République et de la primature dans l'ordre protocolaire de départ. Cependant, à l'occasion des présentations des vœux au président de la République en janvier 2018 comme en janvier 2019, les députés ont été conviés juste après les présidents des institutions constitutionnelles dans l'ordre protocolaire de passage. Il y a là certainement un hiatus qu'il convient, si c'est le cas, de corriger pour préserver les relations de convivialité qui existent, à n'en pas douter, entre nos deux institutions. En dehors de ces 16 affaires, d'autres pourront être ajoutées tout au long de cette session, a indiqué le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale, Joseph Kinyumbu Kambungu. Le débat sur l'orientation budgétaire est aussi attendu au cours de cette 6e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les rideaux de la 4e session ordinaire du conseil départemental et municipal de Brazzaville sont tombés ce mercredi 29 mai à la mairie de la ville capitale. Une session d'essence administrative et économique au cours de laquelle les élus locaux ont examiné et adopté 8 affaires sur les 9 inscrites à l'ordre du jour de leurs travaux. Parmi ces affaires, on peut citer le projet de délibération portant détermination des conditions d'exercice des start-up dans l'espace urbain de Brazzaville et celui déterminant les modalités d'exercice de la manutention dans les marchés domaniaux de Brazzaville par des particuliers. Cependant, l'affaire portant révision du contrat de bail datant de 2 ans et plus entre la mairie et les tierces n'a pas été examinée au regard de son caractère complexe. L'examen du rapport de la commission numéro 2 relatif à l'affaire numéro 5, vu l'importance et la complexité de cette affaire, elle a été renvoyée à une commission d'intercession pour plus d'informations. Clôturant les travaux de cette 4e session ordinaire, le président du conseil municipal et départemental a exprimé le vœu de voir ces délibérations être transformées en solutions. Les délibérations qui ont été adoptées par nous au cours de cette 4e session doivent être à même de se traduire en solutions concrètes des problèmes qui se posent à nos populations. Il est une chose d'adopter des délibérations. La mise en œuvre effective des délibérations que vous avez adoptées nécessite des ressources financières qui n'ont pour source certaine que le recouvrement des recettes municipales.
C'est dans un climat d'un travail accompli que la 4e session ordinaire administrative du conseil départemental et municipal de Brazzaville a pris fin. Mais au Congo, quand vous commencez à faire quelque chose de ce genre, on dit que vous faites de la politique. Ça encore, c'est une mentalité de médiocrité où on pense que c'est la politique. Tout est politique, tout est politique. Non, tout n'est pas politique. Je me tiens devant vous, pas comme quelqu'un qui a réussi, surtout pas, mais comme quelqu'un qui est sur un boulevard, qui est sur une autoroute, qui a appris des choses ces dernières années, qui a appris des manières de faire, mais qui a été préparé avant. Le succès dans la vie, la réussite, c'est la conjonction, le rendez-vous de deux choses. Tous les experts le savent, c'est la préparation et l'opportunité. Ce n'est vraiment pas de la politique, mais plutôt un véritable échange, un partage d'expériences entre un dirigeant d'une entreprise publique et un nombre considérable de jeunes venus de différents coins de Brazzaville, une première du genre en République du Congo. À travers cette formation management et leadership tenue ce mardi 28 mai ici, dans la salle des congrès du Palais des congrès, Yves Castanou entend renforcer les capacités des jeunes acteurs du numérique et porteurs de projets pour les emmener à une véritable prise de conscience de leur potentiel intrinsèque. Selon le directeur général de l'ARPCE, les jeunes Congolais sont coincés entre l'ignorance des principes du succès, le manque de confiance de soi et de vision, ainsi que l'illusion qu'ils font d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que les gens réussissent et qu'est-ce qui fait que les gens échouent? On n'échoue pas par hasard, on ne réussit pas par hasard. Ce n'est pas le titre qu'on vous donne qui va faire que vous allez réussir, c'est faux. On peut vous appeler chef de service, DG, PDG, ça ne veut rien dire. Le succès, la réussite commence d'abord à l'intérieur. Et encore, on a dit, il faut qu'on se mette d'accord, c'est quoi la réussite? Être leader, c'est avoir l'amour de l'autre, travailler pour l'intérêt des autres, a affirmé Yves Castanou, pour qui la réussite d'un projet n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent à son début. C'est juste les lois, entre guillemets, du leadership, les lois du management. Comment est-ce qu'on fait pour commencer un projet? On explique par exemple que ce n'est pas juste une d'abord question d'argent. Non, c'est faux, c'est d'abord une question d'esprit, d'attitude mentale, de manière de penser, de système de pensée. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne fait pas des projets. Sinon, personne ne ferait rien du tout. Non. Mais par contre, il faut leur montrer comment on fait pour attirer à soi les ressources dont on a besoin. Comment on fait pour attirer, je dis bien attirer. Comment on fait pour attirer les bons collaborateurs? Dans la peau d'un véritable coach, le numéro 1 de la RPCE qui a débuté sa carrière entre 2000 et 2001 avec beaucoup de difficultés, est convenu que de la République du Congo sortiront ceux qui vont impacter le monde. Il a appelé la jeunesse à transformer son intérieur, à changer le système de pensée tout en croyant que même dans le désert, on peut faire sortir de l'eau pourvu qu'on y croit et qu'on s'y met à travailler. Président de l'Assemblée nationale Isidore Mvouba a reçu ce 29 mai à Brazzaville la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, au Congo. Cette audience avait pour but d'échanger sur le forum des parlementaires de l'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui se tiendra en octobre prochain à Brazzaville. Il sera organisé par l'Alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Congo avec l'appui de la FAO, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ainsi, un atelier de préparation de cette activité sera organisé en mi-juin avec les sachants entre autres. Ce forum a pour but d'encourager les autres parlements de la sous-région à créer leur alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les parlementaires vont venir ici pour apprendre du Congo, parce qu'ils trouvent que c'est important de venir vers un grand frère pour apprendre de lui, parce qu'eux aussi, ils voudraient créer leur alliance. Donc, pour préparer cette activité, cette importante activité, puisque ça va quand même réunir beaucoup de parties prenantes, le Parlement, avec l'appui de la FAO et des autres agences du système des Nations Unies, organise à la mi-juin un atelier de préparation. Et cet atelier, comme son nom l'indique, a pour but de préparer cette activité avec des sachants, avec l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les autres parties prenantes. Notons que le Congo est le premier pays de la sous-région à avoir mis en place son alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
le tabac et la santé pulmonaire. C'est sur ce thème que l'humanité a célébré ce 31 mai la Journée mondiale sans tabac. Un thème qui met l'accent sur les effets néfastes du tabac sur nos poumons et oriente la réflexion vers les mesures à prendre pour réduire les risques que le tabagisme fait peser sur la santé respiratoire. En effet, cette journée vise à susciter une prise de conscience accrue des dangers que présente le tabagisme et l'exposition à fumer du tabac. Comme vous le savez déjà, la fumée du tabac est nocive. Elle contient plus de 7000 substances chimiques, dont 69 sont cancérigènes. Le tabagisme constitue la principale cause de cancer du poumon. Il est à l'origine de plus de 2/3 des décès par ce type de cancer. Le tabagisme est également la principale cause de bronchopneumopathie chronique obstructive qui provoque toux douloureuses et des difficultés respiratoires insoutenables. Les personnes qui commencent à fumer à un jeune âge sont souvent les plus exposées à la maladie car la fumée de tabac ralentit énormément le développement des poumons. Le tabac aggrave aussi les crises d'asthme qui, à leur tour, limitent l'exercice physique et favorisent le handicap. En 2018, près de 40 000 nouveaux cas de cancer de poumon ont été diagnostiqués en Afrique pour près de 38 000 décès. Dans sa déclaration, le docteur Lucien Monga appelle la population à la vigilance face aux dangers du tabac. Nos poumons sont essentiels pour notre santé et notre bien-être. Ne laissons pas le tabagisme nous ôter la vie. Faisons le choix de la bonne santé et non celui du tabac. Le moyen le plus efficace d'améliorer la santé respiratoire est de réduire la consommation de tabac et l'exposition à la fumée de tabac secondaire. Les États membres doivent riposter à l'épidémie de tabagisme en mettant pleinement en œuvre les dispositions de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. J'invite instamment les gouvernements à adopter et à mettre en œuvre des politiques qui visent à réduire la demande de tabac, à promouvoir le sevrage tabagique et à traiter de façon appropriée la dépendance à son égard. Ces mesures doivent impliquer les institutions d'enseignement, les établissements de santé, les lieux de travail et les milieux sportifs. L'OMS continuera à promouvoir et à soutenir la sensibilisation aux bienfaits d'un mode de vie sans tabac et du sevrage tabagique. Ainsi, il demande aux populations de se protéger afin d'éviter les dommages causés par le tabac. Journée mondiale sans tabac. Ça se célèbre ce 31 mai 2019 à travers le monde. Mais qu'en est-il de la loi portant interdiction de fumer au milieu public initiée par le gouvernement de la République? Flashback. Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé et de la Population, a d'entrée de jeu rappelé que les textes soumis à l'examen du Conseil des ministres visent tous à résoudre un problème majeur de santé publique et à renforcer le système de prévention médicale en application de la loi numéro 12-2012 du 4 juillet 2012 relative à la lutte anti-tabac qui interdit la consommation du tabac sous toutes ses formes dans les lieux affectés à un usage public. Aujourd'hui, nombreux sont les Brazzavillois qui s'interrogent sur l'applicabilité de cette loi. Bon, à mon avis, par rapport à ce que j'observe, cette loi n'est pas respectée parce que lorsque vous marchez dans les différentes routes de Brazzaville ou sur les différentes avenues, vous remarquez que les gens sont en train de fumer en plein air. Donc, des bus, de les marchés. Oui, en plusieurs lieux, vous pouvez remarquer les gens qui sont en train de fumer. L'État a pris cette décision, mais il ne la valorise pas vraiment. Parce qu'on remarque toujours que dans les endroits publics, genre dans les arènes de bus, dans les bus même, c'est vrai que les chauffeurs eux-mêmes écrivent « not smoking » ou « non, arrêtez de fumer », mais ils ne mettent pas ça vraiment en cause parce que
ils continuent toujours à fumer. Des fois, c'est eux-mêmes, les chauffeurs qui fument ou encore les consommateurs. Ils le font carrément en lieu public. Donc moi, je pense que c'est pas vraiment valorisé. Pour les citoyens lambda, le gouvernement devrait mettre les bouchées doubles afin que cette loi portant interdiction de fumer en public soit réellement suivie et accompagnée. Bon, mais pour qu'une loi soit respectée, il faudrait avoir des mesures d'accompagnement. Il faudrait que les services habilités, tels que le cas présent, on peut mettre des agents de l'ordre pour veiller à ce que cette loi soit appliquée. Bon, les méfaits du tabac, il y en a plusieurs, hein. Le tabac, par exemple, peut avoir plusieurs répercussions sur la santé humaine, dans ce sens où il peut abîmer les poumons de la personne qui en consomme. Bon, le tabac également peut affaiblir ses facultés intellectuelles. Bon, le tabac également peut le déséquilibrer, hein, physiquement. Je demande carrément à ceux qui ont mis en place cette loi de faire convoquer une conférence où ils vont d'abord expliquer les dangers du tabac et après expliquer aux autres pourquoi ils ne doivent pas prendre sur le public. Le tabac et la santé pulmonaire, c'est ce terme que l'humanité a célébré ce vendredi, la journée mondiale sans tabac. Quelques gouttes du vin de palme versé au sol pour invoquer les ancêtres selon le rituel traditionnel, coupure du ruban tricolore, les actes ont été exécutés pour symboliser la mise en service de la gare routière du marché Bourreau à Makelekele dans le premier arrondissement de Brazzaville. Mardi 28 mai dernier, les populations de cet arrondissement étaient en liesse à l'occasion de la cérémonie inaugurale de ce marché, une cérémonie qu'a connue la présence du préfet de Brazzaville et les maires d'arrondissement reçus par leur doyen Maurice Morel Kiouzou. Nous sommes très très comblés de joie d'être venus nous assurer que ceci a été fait grâce à vous. Un discours de reconnaissance du maire du premier arrondissement, similaire à celui du secrétaire général du marché Bourreau. Mais à la différence, ce dernier a émis le souhait de voir toutes les gares routières de la partie sud de Brazzaville revenir à leur site, reconnu par la mairie centrale. De partie, on a compris que non, il y a des gares routières anarchaïques qui se bénévolent, qui ne font absolument rien à la mairie. Nous demandons à monsieur le maire de la ville de Brazzaville de nous ramener les gares routières de la zone sud au niveau du marché Bourreau. Pour le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, l'heure est au travail et non plus au discours. Et le maire de Brazzaville a décidé de ne plus faire les discours. Le maire de Brazzaville est dans les actions. Nous allons parler peu et faire beaucoup avec peu. Bourreau est désormais achevé. La fin des travaux de cette gare routière de 6 mètres de large et 300 mètres de long vient de soulager la peine des vendeurs de ce marché qui étalaient les aliments dans la boue en saison pluvieuse. Finis donc les tracasseries, l'heure est maintenant à l'entretien de cette gare. Nous demandons aux mamans qui occupent cet espace. Elles savent que hier, on ne pouvait pas vraiment vendre, bien qu'on a occupé, on ne pouvait pas vendre dans les conditions telles que ça se présentait. Les mamans doivent s'approprier de cette infrastructure améliorée, bâtie convenablement, qui ne se détériore pas, qu'elles sachent gérer cet espace, qu'elles ne déposent pas les ordures à n'importe quel endroit. Notons que les travaux de réhabilitation de cette gare routière ont duré 3 mois jour pour jour, du 12 février au mois de mai 2019.